monde qui branché ou bien qui pral branché live là, m'a commencé saluer d'abord Yves Saint-Brice, c'est un premier monde qui branché live là et m'a rappelé nous mes amis et ça nous ka fait pour moi c'est partager émission dans tout groupe qui c'est groupe WhatsApp, qui c'est groupe et Facebook, quel que soit groupe lié pour en pile monde ka wè émission parce que son émission qui chargé information, son émission strictement sport, nous ka parlons de social tout. Par exemple, jodi a et moi ka di nou c'est camper moi obligé camper machine moi prend moto pour me venir faire émission pour nous parce que nous connait problème haïtien, pas gen gaz et pour moun mettre dans machine, tout moun soit prend à pied ou bien ou prend moto, eh bien c'est ça qui veut serviteur nous jodi a là et c'est moto moi obligé prend oui pour me ka venir faire émission pour nous parce que moi pas de vle et pas venir faire première émission pour mois de septembre nan, et dernière pour et semaine ça comme les jeudi lorsque nous pas gain invité nous pral dou ça qui t'est fait et nan mi-temps semaine nan bon chance pour nous jeudi a te gagné reste journée et en Italie parce que te gen Atalanta et Torino et Atalanta qui t'a recevoir Torino la Kaili Atalanta qui font belle victoire 3-1 et victoire ça fait Atalanta retirer Milan dans top 5 là et Atalanta li retirer tout et équipe AS Roma qui était gain leader et classement et avant cette journée et bien c'est Atalanta qui passait et numéro 1 en Italie. En Angleterre te gagné match nous c'était dernière journée 5 alors dernier match 5e journée te gagné équipe Leicester qui t'a recevoir équipe Manchester United là encore une fois Ten Hag campé sous décision li mettait Cristiano Ronaldo sous banc et monsieur commençait bah il faut Casemiro pas de commencer Casemiro entré dans deuxième mi-temps moins quoi dans 66 ou 68e minute de jeu Cristiano qui était entré on s'est calpita dans match là alors Casemiro entré dans 56 58 minutes et Cristiano Ronaldo qui entré vers zone 68e minute de jeu mais ça pour retenir c'est que en déplacement équipe United là enchaîné en troisième victoire affilée Jaten Hag dit l'a commencé bail et équipe United là figure d'antan c'est ça monsieur te dit et monsieur commencé réaliser là et nan fin et émission nous pral gagner yon belle page mercato a qui bouger qui supposé parce que là li 6h haïtienne et comme il y a des pays en Europe qui gagnent entre 5h et 6h en plus nous gagnent des côtés qui carité entre 1h temps pour yo conclu marché transfert là pour saison 2022-2023 et puis dans faire émission nous connaît moi pas dire nous qui ça pour le fait dans week-end là. Alors nous geta gen en pile détail en traverser dans caméra information qui c'est caméra 2A et Hervé Saint-Hilaire Clay Etienne qui en bas là monsieur partager live là pour moi dans tout groupe qui existait et pour nous faire connaître gain en émission qui portait le maximum d'informations pour nous. Alors n'a commencé et en Italie te gagné fin et 4e journée à Italie pour jouer 5e journée dans week-end là mais te gagné deux matchs et match moi porter pour nous hein et c'est équipe Atalanta et qui était en déplacement alors excuse-moi Atalanta t'a pour se voir équipe et Torino Atalanta j'aime dit nous yo fait une belle victoire et la caillou avec un triplé de tout alors monsieur les coupes Meiner monsieur fait 3 goals et tout d'abord à la et 45e plus 4 minutes de jeu nous t'a joué arrêt jeu dans premier mi-temps monsieur Pral fait deuxième goal là dans deuxième mi-temps et à la 47e minute de jeu et à la 84e minute de jeu monsieur Pral fait troisième goal premier et troisième goal monsieur fait les sous pénalité et c'est sous pénalité que monsieur fait goal là en traverser nous pas porter en pile image dans Atalanta pour vous et ça pour nous connaître que équipe Atalanta lui-même et lui fait la bonne opération dans journée ça parce que
avec victoire que Atalanta fait la Kaili et dans la réception Torinoa, eh bien Atalanta vient passer leader et c'est ça nous pral voir là Atalanta passer leader Serie A. Atalanta à 10 points avec différence plus 5 parce que 3 goals et li fait jodi li prend youn et 3 a fait 2 plus 2 li te geta gain plus 3 fait plus 5 li prend première place là nan men AS Roma. AS Roma qui gagne 10 points tout mais li gagne yon différence plus 5 et puis nous gagne Inter de Milan qui était enchaîné avec prend et descend en 3e position. Nap en 4e position avec 8 points. Nap gade c'est Juventus qui prend 5e position avec 8 points tout, mais différence plus 5 pendant que Nap gagne plus 7. Nou ka wè nan top 5 là, Milan c'est pas dans top 5 là. Oui, Milan c'est pas dans top 5 là. Pour qui ça? C'est parce que équipe Milan et avec match nul là, li te gagne 8 points mais différence goal li et pi bas que plus 5 Juventus là. Milan qui fait et très mauvaise opération dans et mi-temps semaine là. C'est pas seul match qui a gagné, pas oublié en Italie, nous parle bon et match qui a gagné dans programmation pour week-end là, mais l'essentiel c'est que Torino est perdu à Atalanta. Match ça Duvan Zapata a joué lui, Atalanta a campé non 3-4-3. Et dans tête triangle, c'était Duvan Zapata. Monsieur sorti vers une 27e minute de jeu parce que nous connaissons Monsieur Gomblessieux, Kapsak Ageli. Deuxième et match qui était gagné, là, on a traversé en Angleterre. Et en Angleterre, tu as gagné l'équipe Leicester City hein, qui t'a recevoir l'équipe et United. Là. United, tu as gagné un seul objectif, c'est enchaîner yon troisième victoire. Eh bien, United pral fait la bonne opération du jour parce que United en déplacement li pral gagner encore, même j'en te gagne na week-end passé ya, yon goal à 0 et cette fois-ci c'est Sancho qui pral fait yon superbe goal, l'aime di yon superbe goal là et monsieur d'abord li monsieur fait pression sous gardien yon, alors sous on attaque et yon ta fait il pas récupérer ballon hein. Défenseur Leicester pousser le gardien hein. Monsieur courir sur gardien pour forcer gardien dégager et puis gardien hein, pral dégager et puis dégagement pral tomber dans mi-temps terrain hein. Et puis ballon pral venir dans pied Marcus Rashford qui pral pousser pour Sancho et ça c'est première action qui était faite dans match là mais action en palais noir et puis Sancho pral hériter de ballon hein. Nous avons joué 23e minute de jeu. Monsieur Pral triblé gardien Leicester et pour le mettre ballon dans le camp vide. Et 23e minute de jeu, United qui était 0-1 en déplacement. Premier mi-temps, et Sancho qui a fêté Golli. Premier mi-temps, Pral fini 0-1 en faveur de Monsieur Eric Ten Hagio. Dans la deuxième mi-temps, Pral gagné des changements de part et d'autre. Et un changement, c'est Monsieur Casemiro qui pral monter aux environs de 58e ou 56e minute de jeu. Cristiano Ronaldo m'te dit nous, li pral monter tout dans 66 ou 68e minute de jeu, mais ça pour nous retenir à tout changement que Eric Ten Hag et entraîneur Leicester City en fait, match là fini 0-1 et équipe United là après échec que ont été fait dans premier match là et ouverture championnat, Negio enchaîné 3 victoires affilées. Tout d'abord, Liverpool qui a été battu dans Old Trafford là et pour première victoire dans saison 1. Après ça, sous pelouse Southampton, il a été enchaîné 1-0 et puis Jodia, il fait 3e succès yo sous équipe Leicester City hein, en déplacement s'il vous plaît grâce à un superbe goal de Sancho 23e minute de jeu qui triblé gardien pour le mettre et ballon dans le camp vide. Eric Ten Hag, ça fait monsieur 3 matchs, 3 victoires affilées et nous pral saisir ouais que gardez bien et ça c'est score match là et United qui montait dans top 5 après 3e victoire affilée et Bamba Nouli en full screen pour nous kawe. Arsenal t'a fait le plein depuis hier 15-15. City t'a écrasé et 6-0 City t'a passé et hier
en deuxième position. Équipe Tottenham dans match nul là te prend 1 point en troisième position. Équipe Brighton qui est pas supposé dans place li, mais il a bien comporté dans début de saison ça à 10 points. Et puis équipe United là, li prend 5e place là avec 9 points. Oui, 9 points pour United. Même le nouveau United gagne moins 2, mais l'essentiel n'est qu'il fait 3 victoires affilées après 2 défaites que Yote fait dans l'ouverture de championnat. Bravo avec Erik ten Hag. Erik ten Hag, j'aime te dire, il était toujours dit que la baille équipe United là allure et ça il était gagné dans temps li et monsieur commençait bien parce que lorsque championnat est fait démarrer 0 sur 6 ou pral joindre à Liverpool qui pral metto à 0 sur 9 et depuis le ça nèg yo commencé enchaîner victoire. Je t'ai dit que c'est concentré pour te ka jouer un gros bat devant Liverpool 2-1. Eh bien nèg yo fait 2 victoires là, une sur Southampton et une en déplacement là jeudi à là 1er septembre sous terrain Leicester City. Même le Leicester City pas marché bien. Alors n'a quitté et match qui était joué et deux matchs en retard ça yo, nous pral tomber dans rubrique mercato. Dans mercato a et gagné en pile mouvement qui fait et gagne en pile l'argent tout et qui dépensé. Tout d'abord, n'a commencé avec Leandro Paredes, Guibert, ça c'est pour vous. Leandro Paredes yo prêté dans l'équipe Juventus là, mais avec une option d'achat de 22 millions d'euros. Leandro Paredes m'a rappelé nous monsieur gagne 28 ans, monsieur t'est venu dans l'équipe PSG en 2019 et coût transfert ça t'est coûté PSG 50 millions d'euros. Eh bien PSG prêté équipe Juventus là et Leandro Paredes et avec une option d'achat de 22 millions d'euros hors bonus. Alors, et Leandro Paredes, monsieur Rivé, et en Italie, et nous pralouer peut-être dans journée cap venir là, et maillot équipe Juventus là sous dos. Et Leandro Paredes, moi pense que monsieur pas de temps de jeu dans équipe Juventus là, c'est une belle et affaire pour Leandro Paredes et que nous connaît qui pas t'a gagné tant de jeux dans équipe Juventus là. Forme d'où que équipe Juventus là pour mercato ça nèg yo prend Bremer, yo prend Di Maria, Paul Pogba retourner, Milik et puis Leandro Paredes, ça fait 5 joueurs que équipe Juventus là et prend dans mercato et d'été ça. Deuxième transfert qui était apparaître sur écran, eh bien c'est Wesley Fofana, jeune joueur de 21 ans, monsieur engagé avec équipe Chelsea, entendez bien, pour 7 années. Montant transfert là, même le, il pas révélé li, mais il y a un pile journaliste qui dit que c'est un montant qui avoisinait de 82,5 millions d'euros et avec bonus qui a fait arriver 87 millions d'euros. Wesley Fofana avec transfert ça, monsieur Noël dans stade là, monsieur Vini 4e défenseur qui pichait dans histoire transfert. Nous te gagne Harry Maguire 87 millions d'euros, Mathieu Delit qui traversait dans équipe Bayern de Munich pour 85,5 millions d'euros, Virgil van Dijk lorsque monsieur te Vini dans équipe Liverpool là 84,7 millions d'euros. Et bien Wesley Fofana, jeune joueur de 21 ans, monsieur Vini 4e défenseur qui pichait en termes de transfert 82,5 millions d'euros plus bonus qui est arrivé à 87 millions d'euros. Et avec acquisition Wesley Fofana, forme dit nous, alors nous avons traversé rapide dans l'Islande, nous avons toujours été dans Wesley Fofana. Pour le moment, m'a parlé à la équipe Chelsea, yo prend Koulibaly, yo prend Sterling qui était fait un goal pour yo dans dernier match mais on t'a perdu quand même. Yo prend et Kukurela et nous avec cheveux frisés, monsieur Guetta même titulaire dans équipe ça et puis yo prend Wesley Fofana et yo prend Aubameyang. Nous pral venir et avec dossier Aubameyang là tout à l'heure. C'est-à-dire que Chelsea gagnait dans effectif li en plus Koulibaly, Sterling, Kukurela, Fofana et puis
et Pierre-Éric Aubameyang qui était en manque de temps de jeu dans l'équipe et Barcelone nan, et transfert ça li bon en pile pour l'équipe Chelsea. L'autre transfert qui est apparaît devant nous c'est Luis. N'a parlé de Fabien Luis parce que et entraîneur PSG a toujours dit que et a bien de nouveau arrivé. Un bien Christophe Galtier avec Bol BSGA a confirmé transfert de Fabien Luis et dans l'équipe Paris Saint-Germain. N'a pas bloqué et Fabien Luis monsieur t'a joué dans l'équipe Napolien. Monsieur c'est un espagnol qui gagne 26 années et monsieur traversé dans l'équipe PSGA Jean-Louis Maillot là pour 2027 pour yon bagatelle de 23 millions d'euros et club et capital là eh bien ça fait yo 5e recrue yo jusqu'à présent parce que gè doit gagner qui fait pendant dans micro mais et après signature et Fabien Luislan ça fait équipe PSGA 5e recrue pour mercato ça pas oublier montant transfert là et tant jusqu'à 2027 ça fait et 2022 2027 5 ans et montant transfert là c'est 23 millions d'euros. Et Wesley Fofana, monsieur dit comme ça que, et Ligue 1 en vie. Alors, c'est ça, monsieur, qui a parlé. Et que nous connaissons que Libral bail tout lui-même et pour gagner des trophées avec l'équipe PSG. Et c'est ça, monsieur, c'est le premier mot que monsieur a lâché dans le micro la presse avec un photomontage qui gagnait derrière deux monsieur. Ici, c'est Paris. N'a toujours et continuer avec dossier transfert nous gèt en wèdè domna la Edison Cavani et puis nous wè yon photo Valence oui Edison Cavani aller dans équipe Valence là Edison Cavani qui était libre de tout contrat avec équipe Manchester United là un bien monsieur engagé li jusqu'en 2024 avec équipe Valence là cela signifie que dans et Liga nous pral gagner 3 buteurs par tenté déjà te gen 2 n'a pas les 2 et Lewandowski qui fait crive dans l'équipe Barça n'a pas les 2 Karim Benzema qui était petit année passée et puis nous gagnons yon l'autre buteur qui vini n'a pas les 2 Edison Cavani El Matarol monsieur entré dans et championnat d'Espagnol là monsieur qui pral faire les beaux jours de équipe Valence là parce que c'est une belle affaire non seulement pour Cavani parce qu'il est en fin de carrière et puis pour équipe Valence en tout parce que expérience Cavani pral et peser lourd ou bien Cavani pral porter en pile pour yo toujours dans dossier transfert n'a gardé derrière de nous là nous web brésilien ça pour monde qui va dans football et bien c'est monsieur c'est Lucas Paqueta qui t'a joué dans équipe Olympique Lyonnaise là. Eh bien, monsieur signé avec l'équipe West Ham United là jusqu'en 2027. Et notre transaction, ça, moi, je pense que c'est l'équipe Lyon qui fait yon bon coup. Même le paquet a été utilisé en pile, mais l'ont empoché 60 millions d'euros. Et pour un deal comme ça, et moi, je pense que c'est une bonne affaire liée pour l'équipe lyonnaise là. Et paquet a engagé les gens, t'as dit non. Jusqu'en 2027, contrat 5 ans, et dans la transaction, ça, Lyon touché 60 millions d'euros pour te quitter et jouer Lyon traverser dans le championnat et Angleterre là, dans l'équipe West Ham United là. Toujours dans le dossier transfert, ce transfert, ça m'a parlé avec nous, t'as parlé tout à l'heure, c'est Pierre-Éric Aubameyang qui nous met un point d'interrogation. Et qui peut confirmer à 100%. Moi, pral ba nous donner, nous pral ouè ça. Et Barcelone, et ouè, balo, Xavi te vle monsieur nan effectif là. Mais, et pral gen Coupe du Monde, et pas gen temps de jeu, monsieur te vle aller non seulement aux équipes qui ont joué Ligue des Champions, aux équipes qui ont joué titre tout, même le nouvel Chelsea, très mal parti, mais, et yon équipe qui nan top 5 en Angleterre, eh bien. Et puis, pas oublier te gagner en sorte de et entrée sortie entre Barcelone et équipe Chelsea et Barcelone qui t'ai besoin Marcos Alonso qui t'ai besoin et Azpilicueta eh bien yo tout profiter de deal Aubameyang pour yo faire Azpilicueta vini
dans l'équipe Barça. D'après information qui vient de nous, il était 17h à Londres. Eh bien, Aubameyang te gentan atterri à Londres et dans l'équipe Chelsea. Et puis, chemin inverse la te fait parce que Azpilicueta te gentan en Espagne pour la passer visite médicale. Alors, transfert la qui s'allie, yo lâché Aubameyang by équipe Chelsea et Chelsea li bay 14 millions euros et puis li bay Marcos Alonso. Et c'est ça pour nous connaître. Yo bay Marcos Alonso, yo bay 14 millions euros et Barcelone lui-même li bayo Pierre-Éric Aubameyang, c'est ça dit l'anye. D'après source Fabian, alors Fabrizio Romano, monsieur c'est un gros journaliste, un gros insider dans affaire mercato en Europe. Visite médicale passée et Aspia Lomabdou et Marcos Alonso t'a supposé signer dans l'équipe Barcelona un contrat de 3 ans. Et c'est ça que Fabrizio Romano rapporté jeudi à la. Toujours dans le dossier transfert, nous avons un pile transfert et parmi les transferts qui fait, je pense que à peine moins nous 40% oui, il y a un paquet moins pas nous. Dossier transfert, United avant. Et match jeudi à devant Leicester ya yote getan siyen et Anthony c'est et jeune joueur ça qui t'a joué dans équipe et Ajax lan qui t'a joué sous Lord Erik ten Hag. Ou gen l'impression que Erik ten Hag a ramassé tout bon joueur que il te connaît dans Ajax pour lui faire venir dans équipe United lan. Montant transfert ça tendez bien li évalué à 100 millions euros et pour yo faire Anthony traverser dans équipe United là. United cap dépenser cob là n'a gardé Anthony cap signé et contrat li et United pour mercato ça nèg yo getan dépenser tant de bien 250 millions euros que United dépenser et moi pral ba nou tout moun yo prend et nan et quantité comme ça que yo mettez de yo et yo présenté et Antonin et depuis hier moi quoi et ça pour nous retenir que Ten Hag tout bon joueur te konnen nan Ajaccio la prend tout li rapatrier yo vini nan United et nous changer Ralph Rangnick te dit ça si nous besoin reconstruire équipe United là nous besoin 10 autres joueurs et moi pense que dans quantité joueur yo prend là yo montrer que pour équipe la vraiment reconstruire au minimum faut gagner 6 bons joueurs qui intègrent équipe là avec dernier dépense pour Anthony moi pral ba nou tout moun que United prend et joueur et dirigeant premier moun yo te prend yo te prend coach là Erik ten Hag pour te remplacer Ralph Rangnick deuxième nou prend yo prend Lisandro Martinez nou en ban défense là cap jouer très du cap jouer bien yo prend et Malacia nan et nan mercato ça yo prend Eriksen qui te gon qui gen problème et cap joueur défibrillateur et nou wè monsieur titulaire sous Lord Erik ten Hag la mwen gen après en termes de joueurs ça fait 3 joueurs plus coach là yo prend Casemiro qui sorti nan équipe Real de Madrid là qui traversé nan United et puis yo prend Antonin l'aime fait somme comme ça li bay 250 millions euros et avec 100 millions pour équipe alors pour équipe Ajax là dans transfert Antonin. Ajax pendant na Ajax là moi ka dou que c'est club qui pi qu'on fait deal dans mercato. Ça nous est pas devant nous, nous doit parler bien mais pour me traduire pour nous photo qui derrière dôme là. Ajax Amsterdam li formé 7 joueurs. Dans 7 joueurs, n'a gardé Antonin, n'a gardé De Jong, n'a gardé Matisse Delat que nous connaissons, n'a gardé Hakim Ziyech, bomba nous pi bien pour nous kaweli. Et bien tout joueur ça yo lorsque t'a vini dans équipe et Ajax là, il t'a coûté Ajax 40 millions euros. Et bien Livan Barcelone 3 alors 2 Livan Barcelone, alors Livan Barcelone youn n'a parlé 2 et De Jong, Livan Juventus youn n'a parlé de Delight. OK ou bien d'élite Livan et United Antonin Livan United et
Lisandro Martinez que n'a gardé dans mi-temps bord élite là, Livan Ziyech, Livan tout nèg sa yo, tendez bien, un bien, joueur sa yo, 7 joueurs sa yo ont acheté pour 40 millions d'euros, un bien yo vend yo pour 445 millions d'euros, mes amis, pas gagné plus bon entrée, pas gagné plus bon commerce pour nèg qui fait ça. Ou fait 405 millions d'euros de bénéfices dans vente 7 joueurs et ou t'acheter 40 millions d'euros et puis ou vendre 445 millions d'euros, 405 millions d'euros de bénéfices et Ajax qui compte faire. Et alors d'abord son club formateur font dit ça, mais qui compte faire deal parce que et pour te faire et stadium yo qui c'est stade olympique là, vous te vendre toute une équipe pour te faire stadium là et c'est comme ça nèg fait business toujours dans rubrique mercato pour fermer rubrique mercato. Gagnon rumeur qui a parlé là, Jordi Alba, qui gagne et yon manque de temps de jeu dans moment ça, dans l'équipe Barça, eh bien, gagne le, monsieur K. Allé dans l'équipe Juventus. C'est pourquoi, alors, excuse-moi, dans l'équipe Inter de Milan, c'est pourquoi confirmer, nous, avec un photomontage derrière de Milan, c'est pourquoi confirmer, mais absolument, mais il est grand bruit que monsieur K. a traversé dans l'équipe Inter de Milan. Pour finir net, un dernier Brésilien, c'est Arthur Melo. Arthur Melo, monsieur quitté équipe Juventus là, ou bien Juventus voyait monsieur aller, monsieur était très indésirable. Eh bien, Arthur Melo, 26 ans, eh bien, monsieur supposé atterrir dans l'équipe et Liverpool là, Liverpool hier qui fait une victoire in extremis. Moi, ben nous, et presque tout transfert, et bon, dit entre 50 et 55% qui fait entre eux et avant hier et hier. Nan mercato ka fini à minuit et jodi a la nan gros championnat en Europe yo gen de côté kako au Belgique y a fini jusqu'à 6 et septembre gen côté c'est 2 et jusqu'à 3 septembre mais mba nou transfert ki pi important yo et si nta don ti bruit la c'est dame depuis et qui fait un ti apparition dans studio mais nous pral fini rapidement parce que dernier point nous était a c'est ça qui pral passer nan weekend nan. Moi pral ba nou et moi pral invite nou gade gon paquet bel match ki pral jouer et n'ap genyen derby milanais sa yo le derby de la Madonina c'est entre équipe Inter de Milan et équipe Milan AC match sa l'ap jouer samedi et moi pral ba nou l'heure. Tout d'abord on a commencé avec et championnat d'Allemagne qui te gen coupe d'Allemagne et Bayern et Leipzig qualifié pour deuxième tour. Eh bien, en Allemagne, on garde ça pral gagner. En Allemagne, moi invitez nous à regarder s'il vous plaît équipe Union Berlin. Alors d'abord, ge Borussia Dortmund depuis demain 2h30 cap recevoir équipe TSG Hoffenheim et puis samedi 9h30 AM heure haïtienne équipe Union Berlin a recevoir équipe Bayern de Munich là. Là nous en Allemagne et moi ba nous deux matchs qui supposé pi important yo en Allemagne et leader qui te fait faux pas et Bayern et 14 points Bayern pas fait le plein et puis nous gagnons Union Berlin et alors Bayern excuse-moi 10 points m'a dit 14 points c'est plus 14 et Union Berlin même force point avec Bayern 10 points Fribourg 9 points et Hoffenheim 9 points équipe et Borussia Dortmund avec 9 points. Nous avons fait 2 flèches pour nous. Et c'est des équipes qui t'a supposé concurrencer Bayern de Munich plus équipe Borussia Dortmund. Nous avons gardé Dortmund juste en 5e. Bab dit juste en 5e. Alors en 5e position, c'est 1 point séparé avec Bayern de Munich. M'a parlé équipe Leipzig qui t'a supposé qu'a fait tête avec Bayern. Yo en 9e position avec 5 points. Et puis l'autre équipe, moi mettez flèche pour nous pour me retirer banner. Pour nous, Kaweli, c'est l'équipe Bayern de Leverkusen qui est en 13e position à 7 points de Bayern de Munich parce que l'équipe Bayern de Leverkusen a gagné 3 points seulement. Et en Allemagne, que nous pourrons jouer, et Bamba nous, en Allemagne, nous pourrons jouer 6e journée. Nous avons quitté le pays d'Allemagne, nous pourrons traverser en France. En France, et dans la Ligue 1,
qui match moi invité nous à regarder. Mais même moi toujours dit nous en France là si pas de gagner MNM dans cap jouer en France, nous pas tap intéressé avec championnat français. Ça c'est clair. Comme Messi, Neymar, Mbappé, là tout le monde a prétend est-ce qu'il a battu, est-ce qu'il a fait match nul, est-ce qu'il a perdu. Eh bien, moi invité nous à regarder équipe Paris Saint-Germain cap jouer samedi 3 en déplacement sous terrain Nantes-Lan, match ça a joué à 3h PM heure haïtienne. Avant 6e journée qui pourrait jouer en France, qui j'en classement yé, et après 5e journée. Après 5e journée, équipe Paris Saint-Germain lance Marseille, yon gen même force point, 13 points, mais avec une grosse différence pour Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain gagnait plus 17, lance plus 8, et Marseille plus 8. Lyon, Livan et Brésilien, et li papka évolue sous couleur encore, n'a parlé de Lucas Paqueta, Lyon en 4e position avec 10 points, et puis Montpellier fermé top 5 là avec 9 points. Et nous, ouais, l'équipe Lille là, une équipe qui était à concurrencer Paris Saint-Germain, n'a gardé équipe Lille là juste en 8e position. N'a quitté en France, nous pour traverser en Italie. En Italie, saute gagné fermeture 4e journée là, nous pour jouer 5e journée en Italie. En Italie, pour gagner derby de la Madonnina, oui, parce que Matsao, 3 matchs m'invite nous à regarder, tous les 3 matchs yo a joué samedi 3. N'a pour encadrer en rouge et mettre heure haïtienne. Tout d'abord, Florentina a recevoir Juventus. Nous connaissons Juventus son prétendant au titre en Italie. À 5000 ans, midi, Inter de Milan, nan, San Siro a souffleré le Lucarelli nan, Giuseppe Meazza, et pral gagner derby de la Madonnina. Et puis, équipe Lazio, après faux pas, yo sot fè la, eh bien, yo pral recevoir équipe Napla, 2 équipes qui sot fè faux pas, nan, week-end qui sot passé à la, Matsa li même n'a joué à 2h45. Cela signifie que pour en Italie, depuis samedi 9h jusqu'à 2h45, 2h d'an après 4h45, ou Kachita devant télévision, ou ka 3 belles matchs sa yo. Florentina kap recevoir Juventus 9h, midi derby de la Madonnina nan Giuseppe Meazza ou bien San Siro Inter Milan, et puis à 2h45, équipe Lazio qui pral face à face avec équipe Napoli. Après 4e journée qui Jean classement avant 5e journée, 4e journée qui fait fini là, on a regardé. Nous pral regarder comme mette banoun déjà, équipe Atalanta à 10 points, Roma à 10 points, Inter 9 points, Naples 8 points, Juventus 8 points, Milan qui pral gagner pour le faire fort s'il pas t'avait éloigné net de top 5 là, parce que on victoire 2000 ans a remetté Milan dans top 5 là, Milan qui pas dans top 5 dans moment n'a parlé à là. N'a quitté en Italie, nous pour traverser en Espagne. En Espagne, nous connaît tout le monde a prétendre 2 équipes peuple qui 2 équipes yoyé, c'est équipe Barcelone et puis équipe Real de Madrid là. Un avantage Real de Madrid pral gagner c'est que après 3 matchs li sont joués à l'extérieur yo, eh bien li pral commencer jouer la Cali dans Santiago Bernabéu. On a regardé qui match cap gagner dans week-end là. 2 matchs ça on pote pour nous. Real Madrid dans Santiago Bernabéu à 10h15 et heure haïtienne pral gagner goumé parce que match ça a fait samedi et la fini à li supposé fini à midi 15, ça dit que n'a pas getan wè et Real là avant pour traverser dans Inter Milan. 10h15 heure haïtienne, Real a recevoir Real Betis, Santiago Bernabéu et puis équipe Séville 3h même samedi 3 a recevoir Barcelone. Ça pour moi c'est choc journée. Avant journée ça qui j'ai classement hier en Espagne, n'a pas gardé, nous gagne 2 équipes à 9 points. C'est Real de Madrid qui gagne plus 6, 9 points en première position. Real Betis 9 points plus 5. Barcelone
en troisième position plus 7, mais ex-aequo avec Athletic Bilbao qui était bat 4-0 et mercredi à là avec Villarreal qui gagnait 7 points. Nous gagnons 3 équipes à 7 points, 3e, 4e, 5e et 2 équipes à 9 points, 1er et 2e. Pour nous finir, parce que l'émission en pral fini, là nous gagnons 6h30 et moi pense que nous respectons l'heure parce que jeudi à nous avons commencé à 5h50. En aller en Angleterre. En Angleterre, c'est le championnat qui gagne plus rebondissement. United qui était sorti en crise, nous sommes gardés là, nous avons United qui est en top 5. En aller. En Angleterre, moi invite nous à regarder deux matchs. Gen youn kap fèt samedi, youn kap fèt dimanche. Et mat dimanche lan, et c'est lui-même qui choc journée. On allez. Samedi, Aston Villa a recevoir équipe Manchester City. Manchester City kap joué sous les chapeaux de roue. Mat sa a joué à 12h30 heure haïtienne. Nous même pas encadré leader et qui c'est Arsenal, nous-mêmes n'a gardé qui le Arsenal a joué parce que moi pas mettre le Arsenal là dans le haïtienne pour nous. L'autre match moi invité nous à regarder mes amis faut me retirer banner là, c'est équipe United là qui saut faire victoire ça en déplacement à Leicester City et ben dans Old Trafford là m'a dit Arsenal, excuse-moi Arsenal c'est choc ça m'a parlé nous. Arsenal a en déplacement caille équipe United là pour choc journée. Alors on t'a parlé de équipe Liverpool là que moi pas mettre cap jouer à Everton samedi 3. Le nous même pas mettre yo n'a juste retiré moins n'a juste retiré 5 là dans yo n'a une heure haïtienne. Alors deux matchs encore m'invite nous à regarder Aston Villa cap recevoir équipe Manchester City à 12h30 samedi 3 heure haïtienne et puis en dimanche c'est choc journée hein. United dans Old Trafford là pral wè si li ka bay équipe Arsenal là première défaite li pour saison 2022-2023 parce que pas oublier Arsenal c'est 5 sous 5 actuellement li a lié 15 points bam tout banouni et Arsenal c'est 15 points et pour quantité match 5 matchs 5 victoires 15 points c'est City qui vini en deuxième position. Ça fait moi inviter nous à regarder match City hein. Si City bat et Arsenal perdu, City a passé à 16 points et c'est City qui a vini et gain leader et première ligue là. Et si yo quitte United bat match ça, United a carrément monté à 12 points. Tottenham et Brighton gain pour yo fait en pile pour United pas prendre troisième place là. Nan meyo et quatrième place là, c'est ça qui fait deux matchs ça yo important. Aston Villa qui va recevoir équipe City à 12h30 samedi et puis dimanche moi pense que et tout moun a devant télévision yo pour ne pas rater match ça 11h30 heure haïtienne choc 6e journée et en Angleterre United Old Trafford a recevoir équipe leader. Merci à tout le monde qui était branché. Mais gonti bagay m poko banoui pour nous finir. Et la commencer l'autre semaine, mais m'a tout mettre nous dans bain. L'autre semaine pour aller gagner Ligue des Champions. Moi tout mettre l'œil yo dans heure haïtienne pour nous avec match qui important yo. Équipe Leipzig là a joué avec équipe Pam là mardi 3h PM heure haïtienne m'a parlé de Milan AC. Leipzig a recevoir Milan AC. Même 3h a bien Celtic Real de Madrid, Fanatic Real yo pral sub mat sa en pile, yo pa nan Milan et puis même 3h c'est choc pour moi et première journée Ligue des Champions Paris Saint-Germain a recevoir équipe Juventus là dans Parc des Princes. Et puis pour me finir net, ça c'est pour mardi 6, mercredi 7 encore moins invité nous à regarder trois matchs. Équipe Napoli a recevoir équipe Juventus dans Maradona Stadium dans 3h heure haïtienne. Barcelone a recevoir équipe Leipzig là. Alors et Victoria Pilsen, excuse-moi, et parce que Leipzig c'est depuis un mardi l'a joué
Barcelone qui a recevoir l'équipe Vitória Pilsen 3h et puis Inter de Milan Bayern Dominique. Inter de Milan après match li samedi avec Milan AC, eh bien yo pral gagner dans même stade ça pour yo se voir équipe Bayern Dominique. Deux matchs difficiles pour équipe Inter de Milan. Merci à tout le monde. 6h35, notre petit Jean plus ou moins long. Jeudi à ce jeudi, première émission pour mois de septembre, dernière émission pour ce maintenant. Ma prétendre nous toutes lundi, monsieur Bano, tout ça qu'a fait dans week-end là, lundi bonheur 5h45 branché et puis mercredi n'a porté tout match qui fait mardi yo 2 à 3 matchs m'invite nous à regarder et puis match qu'a fait mercredi yo surtout Barcelone qu'a recevoir et Victoria Pilsen et puis Bayern Dominique cap en déplacement dans Giuseppe Meazza côté yo pral jouer premier match yo face à équipe Inter de Milan. Encore une fois, bon mercredi soir. Oui. Bon mois de septembre. Bon week-end. Et ma prétendue nous, lundi 5h45 PAISN. Avant de finir net, mes amis, Guy Robert. Ok. Le pape est-il en yen? Je vais parler de Paredes qui pape est-il en yen. Kensi. Moi salue Hervé, Clay, Etienne et tout le monde qui était branché. Et Gerdi, et Ville, JB, Alès JB, qui Jean et Ouye Pam. Merci à tout le monde. Alors, j'aime dire nous bon jeudi soir, bon week-end déjà. Rejoignez JB TV. 5h45, lundi 5 et septembre, avant ouverture Ligue des Champions, saison 2022-2023. Bye bye. That's the best of the lot from Courtois.